ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान के सागर बाप ने सृष्टि के सभी L'océan de connaissance, le प्रकार ज्ञान Père, का आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। nous a donné la connaissance ज्ञान de la création et du समय Créateur. Il nous a aussi donné le début, le milieu et la fin de ce monde. La connaissance, c'est la compréhension et le pouvoir. La connaissance est aussi le succès. Alors, avec le pouvoir et la compréhension de la connaissance, notre vie se transforme. Chacun d'entre vous, maître, aussitôt que vous avez découvert que vous êtes une âme et non un corps, peut-être que ça prend un peu de temps de devenir conscient de l'âme et d'être dans l'expérience sans corps, mais ça prend du temps. Et parfois, ils n'ont pas la réalisation qu'ils ont une âme, mais ils sont conscients qu'ils sont une âme. Et le succès vient avec la concentration. Quand nous n'avons pas la connaissance, il y a beaucoup de bouleversements dans l'esprit avec de petites choses. Et c'est la même chose. Quand on montre les shaktis sur un lion, on parle d'un insecte qui est petit ici, mais on en parle en Inde et ils sont très, très grosses. Mais quand la connaissance n'est pas dans notre vie, on a beaucoup de pensées inutiles perdues et on essaie de se justifier. Donc, une âme qui est connaissante est au courant de son type de pensée et finit par comprendre pourquoi dois-je parler autant, et on doit rester aussi dans notre respect du soi. Et j'aime aussi, dit Moïni, que Baba dit, je dois rester dans cette idée que je suis une âme qui a la connaissance, qui est connaissante. Et parfois, on dit que certains sont des âmes très connaissantes, mais pour progresser avec la compréhension, certains ont beaucoup de connaissances, ils ont beaucoup de connaissances, mais dans leur vie pratique, ils ne l'utilisent pas, ce n'est pas visible dans ce qu'ils font au jour le jour. Par exemple, si quelqu'un dit « je suis un expert en décoration » et quand ils le font, ils ne réussissent jamais, à ce moment-là, on ne voit pas leur expertise. Et c'est la même chose, on doit passer aux actes quand on a la connaissance. Et si j'ai une âme connaissante, je dois avoir de l'amour pour chacun. Je dois être en paix. Et si je ne garde pas cet amour et cette paix, on doit progresser avec chacun avec de l'amour et de la paix. Et selon nos sanskars, comment dois-je agir avec un tel ou l'autre? Et s'il y a des manques dans les sanskars de certains, je dois avoir beaucoup de miséricorde et je dois donner à cette âme. La transformation qu'elle apporte aux autres par notre compréhension, on en parle beaucoup. Une sœur est venue nous parler. Elle avait cette habitude de pleurer sur tout ce qui était petit. Daddy lui a dit, elle a dit, tu vas être avec Mohini et ensuite tu vas être correct. Et elle a resté, elle habitait avec moi. Quand elle pleurait, et je lui ai dit, si tu viens à New York, tu vas devoir arrêter de pleuvoir. Et elle pleurait à cause de son enfance et de ce qui se passait. Tout était chamboulé dans son cœur. Et si cela se passait, elle disait,
Je n'ai pas eu d'amour de ma mère. Personne n'a jamais demandé des choses intéressantes. Et cela, ça s'est déjà passé. Donc, en ce moment, je lui ai dit qu'elle recevait tout. Et certains me disaient, tu n'étais pas une bonne étudiante et tu as aujourd'hui trouvé Dieu. C'est lui qui t'enseigne et tu reçois l'amour et l'amour de la mère et du père. Et tu reçois les enseignements du professeur et tu reçois les bénédictions du Sadhguru. Alors, Daddy Janki, et elle avait toujours cette ivresse que je n'ai pas. La petite sœur était tellement, elle avait beaucoup de connaissances. Ah, Daddy Janki n'avait pas beaucoup d'études, mais elle est devenue une infirmière et toutes ses habiletés, toutes ses spécialités. Alors, il y avait une fois, elle est venue, elle devait donner un message à l'ONU et on lui a dit, si tu veux, on pourra te traduire, tu pourras parler en hindi. Elle mesurait elle était très petite, alors elle était cette petite devant, avait beaucoup de courage et elle a monté sur un petit banc pour prendre son message. On lui avait proposé la traduction parce qu'elle n'avait pas vraiment appris l'anglais. Elle a dit non, je vais faire mon message en anglais. Et quand elle a parlé, finalement, il y avait beaucoup, beaucoup de gens. Et l'atmosphère dans la salle est devenue si paisible. Et celle qui a la connaissance, elle a la puissance aussi. Donc, quand on a la connaissance, on doit la changer pour les autres. S'il y a la connaissance, il y a la patience, il y a la paix, il y a aussi du courage. Alors, la pensée d'aujourd'hui, être concentré signifie rester toujours stable dans une pensée élevée, n'importe quelle pensée, une pensée de paix, de pur, de courage. Et l'expansion de l'arbre entier se trouve dans la graine d'une seule pensée. Alors, la concentrer, c'est aussi l'essence. On parle de l'essentiel. Aller à l'essentiel. Alors, c'est très concentré. Quand quelque chose est très concentré, on doit en mettre un tout petit peu. Alors, c'est la même chose dans la graine. Tout est concentré dans la graine. Et on appelle cela aussi le niveau de la graine. Et tout est fondu dans cette graine. Tout est inclus dans cette graine. Augmentez votre concentration. Et cela veut dire se stabiliser dans une seule pensée. Et toutes les sortes de bouleversements se termineront. Et quel autre pouvoir avons-nous? Sur la base de la concentration, vous pourrez aussi voir tout très clairement. Alors, c'est un autre pouvoir, le pouvoir de voir tout clairement. Ceux qui restent stables dans un tel niveau de concentration feront l'expérience d'être ce qu'ils sont vraiment. Donc, l'essentiel de qui ils sont. Donc, vous entendez, vous comprenez. N'utilisez pas votre intellect, restez concentré et vous allez commencer à saisir la solution du problème. Restez concentré. Je le vois régulièrement. La pensée vient avant, alors la solution, et je réponds. Mais si le niveau de la graine est présent et qu'on est concentré sur une seule pensée, et tout au long du mois, c'était le pouvoir de la concentration. Voyez le succès qui vient de cette concentration. Tout devient clair. C'est la clarté qui nous vient avec la concentration. Il n'y a plus de bouleversement. On peut faire beaucoup de barattage. Il y a beaucoup de profondeur. Je sens que Baba, seulement être dans la solitude et pratiquer la concentration, Baba,
Il y a tellement de points qui sont en lien avec la concentration que les gens écrivent. Alors, quelqu'un pourrait écrire 31 points. Je peux être empli de beaucoup d'informations. Et durant la journée, hier, dit Mohini, ou demain plutôt, nous allons expérimenter s'incarner dans une seule pensée élevée, être inébranlable, immuable et avoir cette clarté. Et qu'est-ce que je dois faire grâce à cette pensée? Donc, c'est une très bonne façon d'avoir le succès à travers la concentration. Om Shanti. Voilà, mais je suis l'incarnation de la connaissance. La pratique de yoga, voilà, fondue dans l'océan de connaissance, je deviens maître soleil de connaissance et je propage partout la lumière de la connaissance. Chacune de mes pensées, paroles et actions devient puissante. La noirceur de l'ignorance est en train d'être dissipée depuis l'intérieur de celle que je suis. Je deviens l'incarnation de la connaissance. La réflexion, suis-je resté au-delà des pensées, des paroles et des actions inutiles aujourd'hui? À quoi dois-je être attentif pour rester libre du gaspillage? Être concentré signifie rester toujours stable dans une pensée élevée. L'expansion de l'arbre entier se trouve dans la graine d'une pensée. Augmentez votre concentration et toutes les sortes de bouleversements se termineront. Sur la base de la concentration, vous pourrez voir tout très clairement, tel que c'est. Ceux qui restent stables dans un tel niveau de concentration feront l'expérience d'être ce qu'ils sont vraiment. Ils feront l'expérience de comprendre tout ce qui est. Om Shanti.